Amadalé. Oh, c'est bien tiré, mais il y avait beaucoup de bleu. Et le ballon pour Gomis qui a pu prendre la frappe. Romani, on repasse hein, tout de suite par Rémi Sergio qui essaye de trouver en première intention Jimmy Nierlo là, qui a voulu remettre à Da Silva. C'est, le ballon est bien récupéré. C'est là qui a failli être accroché, qui a pu jouer ce ballon avec Guillaume Koussalé. Il a un petit peu de champ devant lui et il va lancer dans la profondeur Nierlo. Nierlo qui centre directement le ballon. Oh, Da Silva qui aurait dû prendre sa chance, Laurent. Ouais, parce qu'il a donné le ballon à Simon Elisor, mais il n'avait pas le recul pour justement frapper. Attention, Rémi Sergio qui va justement provoquer dans la surface. C'est bien fait sur le côté gauche. Rémi Sergio le centre et but non. Ah oui, l'ouverture du score. L'ouverture du score pour les Canadois sur ce ballon. Je ne sais pas s'il n'est pas. Il a été touché, je crois, ce ballon, Laurent. Il va la tenter direct. Allez, but! Oh! Pop, le coup franc de aller direct. Et Jean-Christophe Bouet qui pensait qu'il allait chercher l'autre côté. Côté de. De Villefranche, c'est qu'on n'arrive pas à trouver Elisor dans les bonnes conditions dans cette première mi-temps qui se termine à l'instant. Ouais, une frappe contrée là de Guillaume Kous qui avait tenté sa chance, hein, même si c'était assez long. Là, Guillaume Kous qui cherche Da Silva dans la zone de réparation. Oh, Da Silva en retrait pour Elisor qui n'arrive pas à se retourner, qui passe pour Pagerie. Oh là 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 là, l'action incroyable. Da Silva qui avait superbement bien joué ce ballon. Timothée Toflib. Et ouh, le bon ballon sur le contre avec Gomis. Ouais, Gomis pas signalé hors jeu. Gomis qui a pu décaler Sagna. Sagna dans la zone de réparation qui prend la frappe. Et on va revenir à la faute sur Gomis. Attention dans l'axe. Il y aura un carton jaune, même le premier de la partie, mon cher Laurent. Ouais. Oh, rouge. Et c'était le. Est-ce qu'il y avait eu un autre avertissement? Non, je crois pas. C'est un. Carton jaune transformé en rouge. On est parti en contre, excuse-moi, mais le Maraire, hein, on réclame une main du côté du public, mais le Maraire qui a pu enchaîner sur le côté droit, le Maraire à nouveau avec le ballon, le capitaine qui a un petit peu de champ, qui va centrer Sagna à l'entrée de la surface d'opération, à l'arrière, et le but. Oh, le doublé pour Amadalé. Le voilà, le but briochin, Saint-Brieuc qui prend l'avantage de Buzyn. Attention parce que ça repart indirectement avec le ballon pour Sagna. Sagna dans la surface de réparation, Lavigne seul face à Boué et le troisième but. Oh là 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 là. Ralentin Lavigne qui récupère ce ballon dans la surface. On s'est complètement oublié du côté des Caladois. C'était à la limite de la zone de relégation et puis justement ça leur a permis de remonter au classement. Et c'est terminé. Ici, c'est terminé sur ce score sans appel. 3 buts à 1.